Avoir une caméra extérieure ici autonome grâce à un petit panneau solaire. En plus de ça, doté d'une très grosse batterie pour une grosse autonomie et doté bien entendu d'une résolution de 2,5K, ce qui est juste énorme. Eh bien, c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une caméra extérieure qui est dotée d'un petit panneau solaire, alors panneau photovoltaïque comme normalement il faudrait le dire. Et en fait ici le concept est vraiment super intéressant et c'est pour ça que je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette caméra extérieure. Il s'agit donc du Tapo C425 Kit. Alors pourquoi kit? Puisqu'en fait on peut juste prendre si l'on souhaite et bien la caméra, mais ici je me suis dit que ça pouvait être un peu plus sympa d'avoir la caméra et donc le kit, c'est aussi d'avoir ici ce petit panneau solaire. Et concernant la marque TP-Link, il s'agit d'une entreprise bien connue ici dans le monde de la connectivité réseau. Je pense que tu as dû en entendre parler. Sa date de création est en 1996 et elle est devenue ici un leader mondial dans le domaine des équipements réseau et des solutions connectées. Et avant de passer à la phase test, eh bien je vais te donner les caractéristiques. Eh bien c'est parti, on va donc retrouver une alimentation ici solaire. 45 minutes de soleil suffisent pour maintenir en fait ta caméra alimentée toute la journée. Et ça c'est un point très important, sachant qu'on va retrouver une batterie qui est intégrée bien entendu de 10 000 mAh. Alors c'est à dire qu'une seule charge peut offrir jusqu'à 300 jours d'autonomie. 300 jours d'autonomie. Et ça c'est vraiment bien si jamais imaginons durant l'hiver avec vraiment des temps nuageux. Bon tu vois que la batterie elle commence à bien se décharger. Tu peux si jamais la recharger et tu sais que tu es tranquille sur environ 300 jours. Donc ça, c'est vraiment bien. Une vision nocturne couleur, et ça, c'est cool. Une résolution de 2,5K QHD avec vraiment une qualité d'image ici assez impressionnante en 4 mégapixels. Une détection IA intelligente, c'est-à-dire que ça détecte avec précision les personnes, les animaux et les véhicules, qui permet de réduire les fausses alertes. Une étanchéité IP66. On a aussi du stockage local ou alors cloud. Et concernant le stockage local, bien entendu c'est avec une carte micro SD, tu peux aller même jusqu'à 512 Go, ou alors tu peux utiliser le système de stockage dans le cloud ici avec ce qu'ils appellent le Tapo Care. On a une angle de vision ici large de 150 degrés, on verra ça ensemble durant la phase test, ainsi qu'une alarme sonore et lumineuse personnalisable. Et ça c'est vraiment bien, tu peux même enregistrer aussi ton propre message ici pour faire fuir les intrus. Voilà, donc ici on a vraiment pas mal de caractéristiques. Franchement c'est très très intéressant. Et puis moi aussi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ça a été fait par TP-Link. TP-Link, comme je te dis, c'est une très très grosse entreprise. Donc déjà en termes de produits, en termes de hardware, ça fait vraiment de qualité. On a un très bon packaging aussi à côté. C'est important aussi de le notifier. Et maintenant, eh bien on va voir tout de suite, eh bien qu'est-ce que ça va donner. Bon, eh bien, c'est parti. On se retrouve donc ici pour la partie live, la partie test ici du Tapo C425 Kit. Et comme tu peux le voir, on se retrouve donc forcément à l'extérieur. Et on est plutôt un petit peu éloigné de la maison. Une journée relativement ici ensoleillée, donc ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, l'objectif aussi de cette caméra-là, c'est de pouvoir un petit peu l'éloigner de la maison puisqu'il y a une connectivité ici Wi-Fi. Et forcément, on va pouvoir avoir une certaine distance. Hein, tant que forcément ici, il y a du réseau Internet, et bien c'est bon. Et donc là, je trouvais ça super intéressant puisque avec le kit solaire, c'est de la pouvoir la garder ici presque totalement autonome. Et ça c'est vraiment bien, en plus dans une zone assez stratégique qui me permettra en fait d'avoir une visibilité sur le jardin, une partie de la terrasse avec aussi la voiture, et au fond à gauche nous avons le portail, donc avec l'entrée forcément principale ici de la maison. Et bien entendu, je peux orienter le ici panneau photovoltaïque côté bien entendu soleil qui est juste ici et qui va hop se coucher là-bas. Donc globalement, il y a vraiment une bonne exposition avec le soleil. Si jamais, si je le souhaite, je peux bien entendu ici enlever le panneau photovoltaïque et par exemple, imaginons le mettre ici pour vraiment plus l'orienter direction soleil. Puis après, je fais passer, imaginons le câble, etc. Après là, c'était vraiment une installation qui est plutôt rapide. Je l'ai fait vraiment
très peu de temps, mais c'est assez intéressant. On peut aussi bien entendu orienter la caméra en elle-même pour après décider en fonction ici de l'angle de vue que je souhaite avoir. Bon, et bien c'est parti, je te superpose sur l'écran l'application mobile et comme tu peux le voir, forcément ici il y a des détections qui se font, donc forcément je reçois des notifications sur le téléphone et ça c'est vraiment bien, ça montre aussi qu'ici il est vraiment très réactif, très nerveux. Alors donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite ici sur l'application et donc ici on accède forcément à la caméra. D'ailleurs on entend tout de suite que le micro il fonctionne vraiment bien. Rien à dire à ce niveau-là. Voilà, je parle. Imaginons là, je parle un peu plus doucement. Là, voilà, je parle un peu plus doucement. Ouais, non, c'est propre. On va reculer un peu. Là, je parle un peu. Et bah, la qualité, écoutez, du micro vraiment est excellente. Donc ça, ça fait plaisir. Ce qui peut vraiment être pratique. Lorsque par exemple aussi il faut penser à des situations, par exemple il y a le facteur, la factrice et qu'on souhaite avoir une conversation avec la personne en question pour poser un colis etc, c'est important d'avoir un bon micro et un bon haut-parleur, on va le tester juste après. Comme on peut le voir ici, personne détectée. J'ai aussi reçu des notifications au début avec en fait la voiture qui a été détectée, donc ça c'était vraiment bien. Et comme on peut le voir tout en haut ici, j'ai 73% de batterie et quand j'ai commencé l'enregistrement un petit peu, ce que je vous ai montré juste avant durant les caractéristiques, eh bien j'avais je crois de mémoire 71% de batterie, donc en fait je suis monté ici de 2% de batterie et il s'agit, voilà, c'est grâce au panneau photovoltaïque hein, puisque là on va le laisser se charger tranquillement la journée. Donc on va aller un petit peu dans les paramètres. Donc ici nous avons aussi l'essai gratuit de TapoCare, c'est à dire qu'on peut utiliser une carte micro SD qu'on peut directement brancher ici sur la caméra, ou alors on peut utiliser leur système de cloud. Nous avons le stockage et enregistrement, vidéo et affichage. Donc si je vais dans vidéo et affichage, on a le paramètre du mode de nuit. Donc ça aussi c'est pas mal. Avec le mode infrarouge, le mode couleur, à proximité, moyen, loin. Donc ça on verra ce soir tranquillement. Donc ça aussi ça peut être un très bon point. On a la qualité de la vidéo, moi je suis en mode auto. Mais on a bien entendu le QHD 2K et le aussi 720p. Donc ça aussi c'est vraiment bien. On a la fréquence d'image qu'on peut mettre à 15 IPS, 20 IPS ou alors 25 IPS. Moi là je laisse à 15 IPS. Et puis information aussi sur ici l'affichage à l'écran. On a bien entendu la luminosité ici du projecteur. C'est-à-dire que je peux augmenter la luminosité. Je vais laisser à fond, moi j'aime bien quand c'est à fond. Et on verra bien entendu ce soir qu'est-ce que ça va donner. D'ailleurs on peut cliquer dessus, hein. C'est-à-dire que là je suis sur 5. Là j'appuie dessus et là on peut voir que ça s'est éclairé. Elles ont l'air vraiment puissantes, donc ça c'est bien, très très important. Lumière de détection, automatiser les appareils lorsque j'arrive, etc. Donc ça aussi, forcément, quand tu arrives à la maison automatiquement, eh bien tu mets un rôle ici à la caméra. Regardez l'alarme, ce qui permettra aussi de voir un petit peu le haut-parleur. Donc là j'ai activé l'alarme. Alors voilà, donc on a son et lumière. Type de son ici, on peut choisir aussi urgence, on peut mettre ou alerte rouge. Elle est pas mal celle-là. Alors, ayant testé, on va baisser un peu le son. Ayant testé pas mal de haut-parleurs, enfin de caméras avec des haut-parleurs, je trouve que les haut-parleurs sont vraiment excellents. On remet à fond, franchement c'est fort hein, pour une caméra ou. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc ici on est sur la page d'accueil. Donc si je clique sur la caméra, et donc là forcément on va me voir en live. Là je bouge la caméra et que je suis quand même assez éloigné. Donc ça franchement je trouve que c'est une bonne chose. On peut prendre des captures d'écran. Voilà, je viens de le faire à l'instant. On peut enregistrer. Et donc ici là je vais directement enregistrer en fait depuis l'application ici mobile. Donc ça c'est top. Je peux bien entendu arrêter l'enregistrement. Je peux ici appuyer hop, sur le petit bouton haut-parleur, microphone de la caméra, comme on peut le voir. Et je peux lancer un appel. Et donc l'appel ici, imaginons, ça va tout simplement te permettre, en fait. Ça va tout simplement permettre. Imaginons, il y a le facteur, etc. Voilà. Là, je peux avoir une conversation. Et on entend bien depuis le haut-parleur ici de la caméra. Bon, alors donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me déplacer. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Si c'est fluide ou pas. La qualité, elle est vraiment bonne, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a vraiment un angle qui est super intéressant parce que si je te montre là, tu vois l'angle que j'ai là, il est tip top. Hein. Comme tu peux le voir ici, là, par exemple, là, je suis sur la terrasse, hein, donc je suis vraiment pas à côté. Ce qu'on va faire, c'est depuis l'application, je vais zoomer
Et on me voit bien. Regarde, là, j'ai zoomé. Je bouge toujours. Et là, on voit que je suis toujours bien présent sur... Donc ça c'est vraiment bien parce que j'ai quand même une bonne distance. Hein. Et si on regarde, imaginons la plaque d'immatriculation BQ ici 161SF, donc ça c'est nickel. Elle est bien lisible, donc ça c'est quelque chose aussi souvent qui est demandé. Là, si je regarde ici sur l'application, on peut me voir, je suis juste ici. Voilà, regarde si je suis en mouvement. Ok, nickel, il y a le mouvement aussi. Donc là je suis quand même assez loin, hein. Je suis à une trentaine de mètres facile, hein, même plus. Ok, c'est parti. Donc let's go, on va tout simplement regarder ici s'il va y avoir une notification. Alors, donc là il y a le portail qui est juste ici. Là on va monter un peu. Ok, nickel. Donc là ici la détection se fait ici. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, je vois, je suis à 18 mètres, c'est nickel. C'est vraiment nickel. En fait, ça se fait à l'entrée. Ça se fait à l'entrée, la détection. C'est parfait. C'est juste parfait, les amis. C'est vraiment trop bien. Donc, je suis devant la caméra. On va la tester de nuit. C'est parti, je bouge. Détection, elle s'est faite. Donc, ça, c'est nickel. Et donc, là, on peut voir que ça éclaire très bien parce que là, c'est vraiment eh bien, les spots sur la caméra qui éclaire ce côté là. Alors après là j'ai d'autres lumières de mon côté, mais déjà ça peut te donner des petites idées. Donc là c'est éteinte. Ok, ouais, c'est assez impressionnant, nickel. Tac, on va aller sur l'herbe, on va regarder comme ça. Ah ouais, on voit tout de suite là ici vraiment la puissance, hein, des spots lumineux. En tout cas, c'est assez concluant. Enfin, en tout cas, elles sont vraiment puissantes. Donc ça, c'est bien. Moi, le côté que j'aime bien aussi, c'est que quand tu rentres à la maison, ça peut aussi éclairer ton chemin. Donc ça, je trouve aussi que ça peut être un bon point bien positif. Donc là, on voit via la caméra en live. Donc en fait, les spots lumineux sont vraiment très, très puissantes. Les spots lumineux, ils sont quand même assez puissants. Si on voit que là, ça éclaire bien. Ça éclaire aussi le... Il y a la maison à droite. On a une bonne visibilité. Hein. Tu vois. Là, si on éloigne un peu. Donc, la qualité, elle est vraiment bonne. Voilà, je suis en déplacement. Ok. Pas mal. Voilà, en tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter ici le Tapo C425 Kit qui est vraiment super intéressant. Ça marche super bien, c'est assez bluffant. Surtout ce petit panneau solaire photovoltaïque qu'on retrouve juste au-dessus. Je trouve que c'est vraiment cool avec ce petit câble d'ailleurs, hein, comme on peut le voir, qui est assez long. Donc si jamais après tu peux décider de séparer en fait la caméra et le panneau qui est juste au-dessus. Donc franchement, c'est super intéressant. On a une bonne qualité, on a une très bonne application mobile. Donc ça, ils ont bien mélangé le hardware, le software. Donc ça, c'est nickel. Bon, et donc concernant son tarif, ici le Tapo C425 Kit, il est proposé à 119,90€. Et honnêtement, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Quand on regarde en fait ici les autres caméras extérieures de surveillance dotées aussi d'un petit panneau photovoltaïque sur le marché. Alors très très important, on peut aussi prendre juste la caméra en fait, donc ici 2,5K avec bien entendu qui intègre la batterie, donc on est sur du 99,90€. Voilà, donc moi honnêtement à ce moment là autant aller je dirais sur eh bien celui que je te présente aujourd'hui, 119,90€, 20€ de plus, et tu as le petit panneau photovoltaïque juste au dessus qui permet de rallonger en fait l'autonomie et globalement aller peut-être, on va dire, de recharger une fois par an ta caméra. Et vu que j'habite en Corse, moi je sais que je suis plutôt tranquille en fait, vu qu'il y a pas mal de journées ensoleillées souvent. Moi
Globalement, j'ai pas vraiment besoin de recharger la caméra. Donc c'est vraiment pour moi, en tout cas de mon côté, vraiment une caméra totalement autonome. Boum, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.